J'avais déjà prévu ce que je voulais mettre en place. J'en avais déjà parlé aux trois concernés. Donc voilà, après on verra bien sûr demain si comment ça se passe. Mais en soi, ils n'ont aucune pression à avoir. Ils font partie d'un effectif. On fait confiance à tout le monde. Et pour autant, j'ai pas. Ce que j'ai vu cette semaine m'a ni rassuré, ni déçu. Ça fait partie d'un entraînement et de la vie d'un groupe. On a travaillé normalement, bien sûr avec autant d'assiduité qu'avant. On a un peu pris un peu plus de temps pour pouvoir mettre les joueurs dans une certaine confiance et leur apporter toutes les réponses qui pouvaient se poser en fonction, bien sûr, de ce qui peut se passer par rapport au match de Valenciennes. Ce qui me plaît énormément, c'est surtout la capacité au groupe de répondre à certaines exigences et notamment à certaines concurrences. Et ça, c'est très important. C'est très important pour moi de pousser dans le retranchement certains joueurs, que ça soit devant, que ça soit même au milieu. C'est ce que j'attends, en fait. C'est ce que j'attends de tout un effectif pour aller justement au bout de nos objectifs. Après, maintenant, faut durer pour pouvoir continuer à avancer. C'est notre rôle aussi de concerner tout le monde, surtout, et de voir que quand quelqu'un rentre, ils peuvent nous apporter autant que ceux qui jouent régulièrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis déjà l'année dernière. Après, il y a des hauts et des bas. Et ça fait partie aussi d'une saison. Donc là, aujourd'hui, ils vont débuter le match et puis à eux de prouver qu'ils ont la capacité à jouer. C'est un match tout à fait normal contre une belle équipe de Valenciennes qui a su faire des très gros matchs, notamment même en Coupe de France à Reims. C'est une équipe qui met beaucoup de buts, c'est une équipe qui prend des buts, c'est une équipe qui est volontaire, qui a du caractère. Et voilà, on sait à quoi s'attendre. C'est toujours difficile dans ce stade d'aller gagner des matchs. Voilà, ça va être, je pense, un match ouvert, puisque eux aussi peuvent prétendre à un moment donné, en fonction des résultats, remonter aussi au classement et se rapprocher des barrages comme ils l'ont annoncé. Et nous, on joue en premier, donc en jouant en premier, bon, on va essayer de garder cette possibilité de mettre la pression un petit peu aussi sur les autres équipes qui jouent après. Parce qu'en jouant de toute façon en premier, à nous de montrer qu'on a la capacité à faire un résultat là-bas, même si je sais très bien que ça va être un match très compliqué, comme tous les matchs de ce championnat.